this is a war. C'est un avertissement, c'est la guerre. L'Occident pratique un génocide à travers la misère. Sur la planète Terre, les enfants sont affamés, les mères font la prière. Sur les deux hémisphères, mais où est donc la paix? La couronne de la paix s'est envolée. L'écart nord-sud ne cesse de se creuser. Dans les 30 dernières années, la misère n'a cessé d'augmenter. En Asie du Sud, en Amérique latine et surtout en Afrique. En français, on y revient par l'explosion démographique. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Sachant que les propos des spécialistes du développement sont alarmants. Si ces prévisions se réalisent, la misère, la famine vont prendre l'allure d'un cataclysme. L'Europe occidentale, les États-Unis, le Canada et l'Australie contrôlent 80% des ressources vitales pour la survie de l'homme. Parallèlement, 100 millions d'Africains meurent de faim au sud du globe. Enfin, les lois du marché et l'effondrement des cours des matières premières produites au sud expliquent l'endettement des pays du tiers monde. Une seconde. Et je reprends. En hommage à la mort chaque année, des centaines de milliers d'enfants. Du seul fait de la dette et des politiques d'ajustement préconisées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale et d'un avec le stade occidental. C'est bien d'aider le Sud dans la Somalie ou le peuple kurde, mais rien ne changera tant qu'il y aura des intérêts économiques dans cette guerre dans le Sud. C'est un avertissement, c'est la guerre. L'Occident pratique un génocide à travers la misère. Sur la planète Terre, les enfants sont affamés, les mères font la prière. Sur les deux hémisphères, mais où est donc la paix? La couronne de la paix s'est envolée. Pendant que certains piquent une tête dans leur piscine, des enfants bien frais en Afrique dégueulent de la pile. Nous sommes conscients que le blocus économique sur Cuba pousse des mères à donner à manger à leurs enfants du rat. Et l'homme qui gouverne sourit de tous ses dents, et l'enfant qui se meurt se vide de tout son sang. Alors, comme ça c'est la guerre, nord-sud du nord, l'embouchure des hémisphères, et la terre. Sa population est contrôlée par une élite qui détient le monopole, mais pas celui de nos esprits. Car le petit enfant blanc de l'Occident s'instruit. Le virus tue, mais parfois il est nécessaire de s'introduire dans les anticorps pour stopper cette guerre.